Bonjour et bienvenue pour la recette du jour. La recette du jour, c'est un cake aux fruits secs, caramel et chocolat. Alors, voici la liste des ingrédients en français, puis en arabe. N'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir les noter. Donc, pour cette recette, vous allez avoir besoin juste d'un blender. Vous allez voir, la recette est très facile, très rapide et surtout, le résultat est délicieux. Donc, dans le blender, je verse mon verre de lait. J'y ajoute ma banane. Je viens ajouter mes dattes, dont j'ai enlevé le noyau. Donc, les dattes, elles doivent être bien mûres. Mes amandes grillées, secs, non salées. Et je viens les mixer au blender. Une fois qu'elles sont mixées, j'arrête mon blender et je viens y ajouter donc je vais ajouter mes œufs, donc mes 3 œufs. Je vais également venir y ajouter mon sucre, donc ne remplissez pas à ras le sucre. J'y ajoute ma vanille et mon verre d'huile, donc 3 quarts d'un verre d'huile. Et je viens mixer encore pour une minute environ. Dans un saladier, je verse la préparation, pardon. J'y ajoute ma farine tamisée, ainsi que la levure. Donc la levure, c'est des sachets de 7 grammes, donc j'en prends 2. Voilà. Je viens ajouter ma poignée de pépites de chocolat, ainsi que ma poignée de cacahuètes. Donc honnêtement, vous pouvez faire avec des noix de pécan, etc. Mais franchement, les cacahuètes, ça donne un plus. Surtout quand elles sont grillées, comme ça, torréfiées. Elles sont juste, c'est trop bon. Donc, je mélange bien pour enlever tous les grumeaux et répartir bien la levure. Je prends mon moule que j'ai beurré et fariné. Je verse ma préparation. À l'aide d'un pic, je viens enlever les petites bulles d'air, s'il y en a. Et j'enfourne à 180 degrés pour environ 20 minutes. Donc, pour vérifier la cuisson, bien évidemment, on pique. Voilà, et quand ça ressort sec, c'est que c'est bon. Donc, le gâteau est encore chaud. Je viens juste le laisser sur mon assiette. J'attends qu'il refroidisse. Une fois qu'il est refroidi, je viens le napper de caramel. Voilà, donc ça, j'ai pris un caramel à la fleur de sel. C'est délicieux, franchement, essayez. Je viens y ajouter mes cacahuètes que j'ai torréfiées. Ça rappelle un peu le fameux chocolat, je ne sais pas si vous connaissez Snickers. Hein, le caramel et les cacahuètes, ça se marie très très bien. J'ajoute également mes pépites de chocolat. Voilà, donc pareil, hein, c'est selon vos goûts. Vous pouvez mettre varié avec du chocolat blanc, chocolat au lait, etc., etc. Voilà, ce gâteau est terminé. Regardez, je vais vous le découper. Vous allez voir à l'intérieur. Il est léger, léger. Et il est tellement bon, franchement. C'est vraiment un gâteau plein de saveurs, très gourmand, vraiment. Et vous verrez. J'espère que vous essaierez vraiment la recette et vous pourrez me donner vos retours en commentaire. Donc voilà, le gâteau. Je l'ai découpé. Regardez l'intérieur. La mie est très légère. Il est vraiment comme du coton à l'intérieur. Il est très, très moelleux. Vraiment, bon, là, il est encore tiède. Le mieux, c'est d'attendre qu'il soit un peu refroidi. Vous voyez, il est vraiment léger. Il est juste... franchement, c'est délicieux. Voilà, la recette est terminée. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et à très vite pour une nouvelle recette.